Actualité ici aux États-Unis, tant que j'en ai parlé avant, c'est surtout ça qui a passé dans l'élection présidentielle américaine. En tout cas, jusqu'à présent, le président Donald Trump pour accepter qu'elle perde l'élection malgré le signal qu'elle a soutenu à l'étranger, qu'elle a salué la victoire du candidat parti démocrate à Joe Biden dans l'élection, ou bien leader européen, tant que britannique. Boris Johnson, premier ministre britannique, Boris Johnson, chancelier allemand Angela Merkel et président français Emmanuel Macron, et actuellement même et les leaders et asiatiques, tant que Corée du Sud, Japon, même Australie, même qui déjà téléphoné président pour saluer victoire, et lui-même tout le téléphoné tout pour ça, pour le remercier tout pour appel là que vous faites pour te saluer victoire, lui même ensemble avec candidat et pour passer du président, on a parlé de sénatrice Kamala Harris. Mais je vais dire une discussion parce que quand Donald Trump, en plus, quand il a battu le campagne, quand il a battu le républicain, il a allé dans le tribunal de plusieurs côtés. Et un objectif qui a besoin qu'on y a là, c'est par exemple en Pennsylvanie, que vous voulez bloquer et autorité électorale locale pour ne pas certifier victoire président Donald et président élu Joe Biden. Et dans le but d'après la loi, et candidat en principe, État a gagné pratiquement jusqu'à 8 décembre. Pour certifier et victoire candidat post-président avec vice-président. Et le 14 décembre, et bien c'est pour le rôle et collège électoral là, ou bien même collège électoral pour réunir tout pour voter en faveur candidat président ou vice-président. Ensuite, dossier ça, il peut aller dans l'archive, il y a Washington, mais comme le 3 janvier, ou bien dans le commencement de janvier, le Congrès est pour le réunir pour faire première assemblée, parce que nous rappelons que c'est une élection pour le Congrès à tout. Donc il y a bien pour réunir, et c'est là qu'il y aura le faire comptage, il y aura le certifier, même monde qui parle prêter serment le 20 janvier devant le Congrès. Donc c'est un long processus, mais en attendant, nous avons une bataille légale qui a fait la Kounia là. Donc jusqu'à présent, nous avons une limite légale. Non, une limite légale pour ces sujets-là. Donc, il sera besoin de beaucoup de temps. Mais depuis une traversée, si d'ici 8 décembre, Patagon qui fait, c'est le centre qui a commencé à réfléchir avec aussi des problèmes qui sont capables de venir poser. Mais pour nous, il était seulement à attendre, mais on a dit qu'il y a un défilé, il y a plusieurs candidats, ou bien encore membres et partis républicains, qui ont même tout démarqué, leader parti, qui a démarqué président Donald Trump, et pour reconnaître que c'est le président Donald Trump qui occupe en portée la victoire. Mais ma société Reuters dit que dans son sondage que vous faites, vous jouez que il y a un membre particulier qui reconnaît que le prochain président des États-Unis a l'irrelé exactement Joe Biden. Donc c'est l'annulé dans le processus là, mais quand même, et leader parti républicain prend une position avec le président Donald Trump et il dit qu'il faut qu'il gagne chance pour aller dans le tribunal pour utiliser tout moyen qu'il gagne, tout ça qu'il gagne qui est nécessaire avant pour lui accepter. Et, ou bien encore pour concéder qu'il perdu et vraiment l'élection. Mais en tout temps, ça va empêcher que le candidat parti, en fait, le président élu Joe Biden, il même continue à faire des marches pas. L'idée a formé et, une comité de 13 membres pour tacler la question du coronavirus. Là. Il vient d'en nommer quelques conseillers déjà pour commencer et aller dans l'agence américaine pour commencer à analyser le dossier qui vient dans l'agence AO. Et il nomme tout un ancien. Un ancien chef personnel, l'élite vice-président, qui c'est Klein. Mais non, mais actuellement, comme chef personnel, la Maison Blanche. Et il promet pour le bail gouvernement, pour le nommer prochain gouvernement, d'ici fin mois novembre. Non? Donc ça veut dire que, il dit avant, faites action de grâce, on a pour qu'il capte le 26 et novembre. Donc il promet que la publier. Puis formant cabinet ministériel li nan mon ça peut-être nan mon tout temps tout nous pas compte qui ça pas passer tout qui ça quand il a passé président Donald Trump non tout que li mette sur réseaux sociaux tout il dit que l'a fini par remporter l'élection et ce que question ça vient courir avec une déclaration secret d'état américain mais Mike Pompeo fait lui-même pour dire que a une transition douce entre administration ça avec administration Trump encore avec prochaine administration donc de Trump à Trump avec une administration qui est douce entre Trump qui la connaît avec une nouvelle administration Trump encore donc c'est
bon mabor son ceinturon. Son ceinturon, c'est bon mabor. Donc, c'est même nous-mêmes encore qui avons continué. Continuité, on a l'autre mandat pour un deuxième mandat. C'est ça que le secrétaire d'État Pompeo a déclaré par les journalistes. En Haïti, l'actualité est toujours dominée avec le problème de sécurité qui a augmenté chaque jour. Appel continue à lancer par le président ou les autorités pour faire des efforts pour que vous soyez capable de combattre ou bien réduire le phénomène de sécurité. Gang ou fin semaine dans tout le pays. Donc tout le monde connaît, même si le président Jovenel Moïse récemment, les gens s'appellent pour demander diaspora, venez la caille, venez fêter avec Zaminou, venez fêter avec Faminou. C'est un appel que vous lancez. Mais il y a quand même. À l'intérieur, signal qu'a voyé par diaspora tout, il y a pas tellement réconfortant pour encourager diaspora les venir. Ils viennent vraiment appel là gouvernement sectoriel, gouvernement il lance appel là tout et puis il y a toujours discussion entre gouvernement ou bien encore président Jovenel Moïse avec opposition sur question de négociation. Est-ce qu'il sera fait négociation, est-ce qu'il ne parle pas de négociation? Opposition dit à poser des conditions parle, président Jovenel Moïse condition parle, président Jovenel Moïse dit lui-même mandat lié à pas supposé sur table négociation parce qu'il a un mandat qui peut planter, il demande pour respecter mandat là. Mais c'est toute une discussion effectivement quand même à la fin des fins. Qui ça kabay par exemple te gagne ancien premier ministre Evans Sport qui était dans journal et émission télévision radio métropole Le Point qui dit que bon président nous dé à contre ça président journal Moïse gagne et qui ça opposition lui-même la public vinn bay tout parce que même seulement dit que il voulait que un gouvernement de transition mais on veut une transition qui ça que la vinn fait exactement il faut dire pas plus pour dire population mais ça que ma ba qui plus bon que ça que dirigeant actuel là baoula et puis quelque chose ça fait là faut que nous quand même chita ensemble pour nous négocier ça n'a négocié que le président Jovenel Moïse pour aller 7 février 2021 ou il pour aller 7 février 2022 gain dossier constitution en tout cas discuter tout et puis la police a annoncé tout il a arrêté 4 monde pour vivre il y a monde qui dit 5 mais la police a annoncé ce matin même qu'il a arrêté 4 monde et qui semble ta gain pour avec assassinat du pasteur ensemble avec madame Nino dans mon oui donc il y a une 4 monde que suspect qui t'a impliqué dans et assassinat pasteur ça ensemble madame Nino dans localité mon oui donc en une direction nord opération nationale numéro 1 pays d'Haïti. C'est grand point ça qui toujours parler chaque jour, c'est grand point ça et puis population mandé autorité pour le travail et puis garantie sécurité parce que c'est pas saison fête et même monsieur Améo qui sima un peu partout contrairement à 2004, je dis à quoi côté aléa, c'est de temps en temps des mon appel ça appelle non c'est de ville province, non c'est de localité qui mandé appel mais monsieur vinn prend refuge bo ici à et vient empêcher nous vivre, vient à déchirer mon etc. Donc c'est la nuit. Et puis bon, comme on était bien content ouais, Jacques Mbizier hier, non la vie t'a bannon, t'es certainement la tournée jeudi encore aussi. Et pour venir dire non plus bah que la présenter dans le journal et radio télévision après midi, moi m'a dit tout le monde et Jean Sirion. Dando papa, dando. Mon on n'aime pas faire commenter sur ouais ça. En tout cas, nous saluons tout le monde, nous remercions tout le monde qui t'a regardé live là et puis n'a pas sans devoir avoir encore pour demain vendredi, c'est va weekend a commencer et bien n'a venir porter encore l'autre nouvelle pour sur ça grand pour cap demain faire surtout aux États-Unis, surtout question électorale en coin ça intéresse nous en pile parce que c'est un exemple que n'a regardé là connait là, pas gain roche qui veut sera présent sur personne, seulement tout bailleux aller dans tribunal et c'est là qui censé après bailler une décision. Mais jusqu'à présent toutes démarches qui fait yo, il veut pas résultat et excepté gain deux états n'a dit sur en passant qui dit que qui a annoncé que pour le compte bulletin yo, c'est à Wisconsin avec Georgie qui a annoncé il a pour côté bulletin parce que autorité yo il était quoi que vote là trop serré entre deux candidats donc yo préféré font le comptage et le comptage là fait à la main bulletin par bulletin à la main. Donc ça veut dire pas plus tant nous pourquoi bien on sacré les résultats final pour qu'on ait effectivement cette position qui fait qui bail quand ils avaient dit démocrate Joe Biden victoire en élection ou est-ce que l'a kembe ou bien est-ce qu'il pas kembe, mais tout temps nous montrer que l'a kembe parce que jusqu'à présent on défilé chef d'état chef gouvernement et étranger cap saluer victoire éventuelle et quand ils avaient dit démocrate Joe Biden. Mais allez mes amis, n'a pas allez, bye bye.